Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe de France féminine de football, Hervé Renard n'a pratiquement jamais perdu. En 11 rencontres passées sur le banc tricolore, le sélectionneur n'a assisté qu'à un revers de ses joueuses. C'était en amical le 14 juillet dernier, contre l'Australien 1-0. Quant à l'élimination face à ces mêmes Australiennes, en quart de finale de la Coupe du Monde 2023, elle n'est pas comptabilisée comme une défaite, puisque la décision a été faite au tir au but. Pour autant, l'ensemble des résultats obtenus par les Françaises avec Hervé Renard n'est pas meilleur que sous Corinne Diacre. Et pour certains, ce serait presque moins bon. Mardi soir, sur le plateau de la chaîne L'Équipe, Damien Degore a donné son avis sur le bilan d'Hervé Renard. Super bilan ? Moi je ne dis pas super bilan. C'est un bon bilan, mais l'élimination contre l'Australie reste un peu une tâche parce que les Bleus auraient dû se qualifier. Alors ce n'est pas forcément la faute d'Hervé Renard. Mais ça ternit le bilan pour le moment. Le journaliste a été conforté dans son propos par son collègue, Hugo Guillemet. Je suis d'accord. Sportivement, c'est pareil que Corinne Diacre. Mais l'observateur a tout de même ajouté une nuance. Après, on dit que c'est un bon bilan parce que d'un point de vue managérial, ça a complètement évolué. Le groupe va mieux et on n'a plus d'espoir pour la suite. Comptablement, Hugo Guillemet a confirmé néanmoins qu'il n'y avait pas eu d'évolution avec ce quart de finale au Mondial, pas mieux que lors de l'édition 2019. Et pour lui, il y avait même un petit plus sous Corinne Diacre. Entre les compétitions, ça cartonnait 5-0.